Vous appelez comment? Tu? Oui. Ahora es Luis Royo Ibáñez. Luis, ça fait pas longtemps. C'est après l'indépendance de la Catalogne, pour ainsi dire, après les statuts qu'ils ont là-bas, on a changé le nom espagnol en catalan. Royo, c'est le nom de mon père, c'était un baturro de l'Aragon. Et ma mère, Ibáñez aussi. Là, vous connaissez Ibáñez, le rubiment. C'est la région, hein. C'est la Navarre, le Aragon et tout ça. Il y a beaucoup d'Ibáñez. Par contre, de Royo, on en trouverait très peu. C'est aragonais, mais on en trouverait très peu, je ne sais pas pourquoi. Et c'est un coin où il habitait ma mère, où il est né ma mère. Il y avait les Arabes là-bas, pendant l'occupation arabe. Il y avait même un château. Un château en ruine maintenant. Hein. On a réussi là-bas au château, parce qu'il n'y avait pas de cabinet dans la maison. Maintenant, oui, maintenant. Il y a l'eau, l'électricité, les WC, la salle de bain, il y a tout. Et c'est un petit village, je ne sais pas, 2 000-3 000 habitants. Écoute. Comment, pardon, oui. Comment vous êtes arrivé à la division Leclerc? Oh là, ça c'est une assez longue histoire. J'ai passé la frontière, j'ai fait la guerre d'Espagne, j'avais 17 ans. À la débâcle, j'ai passé la frontière. Et j'ai passé à Prats de Molló. J'étais interné dans le camp d'Agde. J'étais interné dans le camp d'Agde où je suis resté jusqu'à un mois avant la déclaration de guerre. Hein? Alors, un mois avant la déclaration de guerre, il y avait un oncle qui avait des vignes là-bas, il m'est sorti et j'ai travaillé la vigne. Hein. Bon, j'ai travaillé la vigne pendant un an. Et alors, après ça, quand il fallait renouveler les papiers, le préfet n'a pas voulu. Il y a eu la débâcle. Hein. En France, déjà la débâcle, la retraite, et c'était les Allemands qui occupaient la zone nord. Et alors, évidemment, je ne pouvais pas travailler. Je travaillais en cachette. Il y avait un communiste là-bas, Cavalier, qui s'appelait. Il me faisait travailler, il me payait de la main à la main. Et j'ai travaillé avec lui pendant 2 mois. Mais les gendarmes venaient me faire chier tout le temps. On sait que vous travaillez chez Cavalier, les gendarmes savaient tout. Hein. Ah non, 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 il faut choisir. Il y avait, je ne sais pas si vous vous rappelez, le truc qu'ils avaient fait, les Allemands, qu'il y avait un Français qui allait là-bas, un prisonnier français qui revenait, la relève qu'ils appelaient. Mais ils ne regardaient pas si c'était français ou espagnol ou quoi. Mais il y en avait un qui allait, un Français qui revenait. Alors ils venaient me faire chier sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Allemagne, il y a un jour, ils m'ont dit, bon, maintenant c'est fini. Hein. C'est l'Allemagne ou l'Espagne. Je ne voulais pas retourner en Espagne. Hein. Pour les affaires militaires. Hein. Et bon, il a dit la Légion. Il me restait que la Légion. Ou bien les compagnies de travail. Mais les compagnies de travail, non, ça n'allait pas parce qu'il fallait être dans un endroit où ils formaient des compagnies. Ils ne les formaient pas partout. Et alors, j'étais à la Légion. J'étais à la Légion. J'étais à la Légion, j'étais un an en Algérie. Et de là, j'étais mouté à la Légion au Maroc. Je suis arrivé au Maroc, bien, avant le débarquement des Américains. J'étais à Porriuté, il y a eu pas mal de morts et de blessés, mais pas un combat individuel, c'est l'aviation américaine. L'aviation américaine, quand on arrivait à Porriuté, ils nous surveillaient, il y en avait 6 qui tournaient en rond, qui tournaient en rond. Là, c'était des balles de 12-7. C'est-à-dire que quand une balle touchait la tête qui pétait, la tête disparaissait. Hein. Alors, j'étais là-bas, là, j'ai déserté. Parce que c'est là qu'ils ont débarqué pour Porriuté, c'est la régulade, c'était des Mexicains. Et alors, moi, ils m'avaient mis. J'étais avec un Belge, un sergent belge. C'est la régulade, c'est pour ça que je vous dis. Ils m'avaient foutu au mortier. Le mortier, je les avais reçus en Espagne pendant la guerre. Sur la gueule. Mais comme c'est que ça marchait, on n'en savait rien. Et le Belge m'a dit, t'inquiète pas, prends ton pistolet. On avait un moulet avec le mortier, un mortier de 80 ans. Et un moulet avec des munitions. On ne s'en est jamais servi. Lui, il ne connaissait rien non plus, le Belge. Bon, enfin,
J'étais à Port-Lyautey et tout d'un coup, je vois arriver des gens qu'on ne connaissait pas avec un imperméable. C'était les Américains. Et nous, à la Légion, il y avait des Espagnols pareil, il y avait beaucoup d'Espagnols. Alors, on parle espagnol. Espagnol, espagnol, espagnol. Si. Et tu qui? Mexicano. Ça y est, lui, il m'a donné. Ils avaient des boîtes comme ça, de cigarettes, des 50 cigarettes, et nous, on avait du chocolat. Ils vous foutent du chocolat et nous, on prenait la boîte de cigarettes. Et c'est comme ça que. Bon, il a fallu retourner à Fès, sans qu'ils sachent qu'il y avait des sorties. Alors là, c'était un fourbi. Ils avaient abandonné les canons de 25, ils avaient abandonné les chevaux, ils avaient abandonné les mitrailleuses, ils avaient tout abandonné. Parce que la Légion, quand ils ont dit ordre de retraite, ils ont laissé tout comme il était, ils sont partis vers un village qui s'appelle Sidi Ayar, à 20 km de Port-Lyautey. Bon. Alors nous, on a ramassé tout ça, on a rempli 6 wagons du chemin de fer. Avec les chevaux, les mitrailleuses, les canons de 25 et tout ça. Et le rond. Il y avait un tonneau de rond qu'on lapidait. Parce que comme bon légionnaire. Hein. Bon, on est arrivé à Fès, ils nous ont fait. Il y avait une table comme ça. Il fallait raconter ce qu'on avait vu là et tout ça. Moi, j'avais vu de mort. J'avais vu un commandant, Gualiar XVI, j'avais vu un espagnol qui avait été blessé là. On lui avait coupé la jambe après, Gomez. Enfin. Et de ça, on l'a écrit. Mais alors, on n'avait pas vu beaucoup. Alors, tout le monde, il écrivait la même chose. Hein? Bon, alors là, ils m'ont laissé là. Et il y avait des histoires avec un Belge, à cause d'une fille. Il était beau garçon, lui aussi, mais il était sergent, moi, il était troufion. Et la fille, il préférait un troufion, un sergent. Et alors, il m'avait cherché bien des histoires. Il devait passer au tribunal militaire. Hein? Ils sont venus les Américains et le sergent est passé. Il a été tué. Alors le capitaine m'a dit, le capitaine c'était un capitaine d'aviation de 14-18. Il m'a dit, tu vois Royo, t'es tranquille. Le tribunal est fini. Hein? Parce qu'il n'était pas pour le sergent, il était pour moi le capitaine de la compagnie. Bon, enfin, on a continué comme ça là. Et par la force des choses, ça se retrouve, vous expliquer. Il y avait un sergent, qui est toujours vivant, qui était chef de musique au 4e tirailleur marocain. Hein? Et ce gars-là, il avait eu un gosse, et il était le colonel du 4e tirailleur marocain, il était parrain du monde. Alors mon cousin, il était là-bas parce qu'une fois on était à Port-Lyautey, il n'écrivait pas moi. Je lui ai dit, c'est la merde, je vais écrire et ils vont être tous. Et qui est ceci, cela, il n'écrivait pas. Mais alors, lui, il n'était pas dégonflé, il a été trouvé le colonel. Le colonel, il a téléphoné à mon colonel. Je me suis fait appeler, je me suis fait engueuler. Vous écrivez une lettre, et cet après-midi, vous me l'amenez. C'est moi qui vais l'expédier. Bon, peut-être une semaine après, Royo, allez voir le lieutenant Poirot, quand il me rappelle, celui qui s'occupait du mess des officiers, c'est-à-dire le groupe sportif de l'armée. Alors, je vais le voir, le Poirot, il m'a dit, vous allez vous présenter au corps sportif de l'armée, au caporal chef, enfin, je ne me rappelle pas maintenant le nom. Ils m'ont mis dans la cuisine, cuistot. J'avais fait la cuisine de troupes, mais faire cuire des lentilles, c'est pas pareil que faire cuire pour le colonel. Alors il y avait un gars qui s'appelait Garcia, qui était de Madrid, lui était un bon cuistot. Alors il m'a dit, écoute, Luis, et toi tu fais les entrées froides, et moi, j'ai fait tout ça que c'est chaud. C'est-à-dire, l'entrefroide, c'était le porc cuit, ou la betterave, ou les carottes. Tout ça, c'était moi qui m'en occupais. Il y avait trois plats froids, et après, il y avait chaud, il y avait deux, trois ou quatre plats. Bon, il était là-bas pendant 2 mois. Alors, un jour, il vient, il me dit, vous êtes monté à Ouzda. J'étais content parce que mon cousin était à Ouzda, le 4e tirailleur marocain, il était à Ouzda. Alors j'étais content, je lui ai dit, tiens, je veux voir la famille. Alors j'étais là-bas, à Ouzda, et c'était l'artillerie de la Légion. Parce que la Légion n'a pas d'artillerie. C'était de l'artillerie de la coloniale. Mais ils prenaient des troufions, et même des caporaux, chefs et des sergents de la Légion. Pour remplir les. Parce qu'ils n'avaient pas beaucoup, dans ce temps-là, ils n'avaient pas beaucoup de qui s'engageaient en France.
Enfin, il n'y en avait pas beaucoup. Ils remplissaient le vide, ils le remplissaient comme ça, avec des légionnaires. Et je suis tombé avec un capitaine, on l'appelait Madi Tonkin, parce qu'il s'était marié avec une Tonkinoise, beaucoup d'argent. Et, enfin, j'étais là-bas, j'étais bien. Avec lui, il voulait me faire caporal chef, parce que je ne vois pas. Hein. Je ne vois que de l'eau. Et à la Légion, c'était bien. Hein. Des ivrognes du matin au soir. Et j'avais trouvé quelqu'un qui s'avait passé quand il y a eu Anfa. Je ne sais pas si c'est l'histoire ça. Quand il y a eu Anfa, la conférence d'Anfa à Casablanca. Et j'avais trouvé quelqu'un qui l'avait passé sur la route. Hein, et il était dehors ce jour-là. Il était en permission. Et c'était un Espagnol. Il s'appelait Arrué. Maintenant, peut-être qu'il est mort là, parce qu'il est plus âgé que moi. Il habitait Lyon. Et il m'a dit, écoute, nous on va en forme, mais dans 15 jours, on revient. Il faut que tout se revienne. Si, moi, je voulais quitter la Légion, parce que la Légion, pour les Espagnols, c'est quelque chose de pas trop bon. Hein. Alors bon, 15 jours après, ou 12 ou 13 jours après, c'est un samedi, je me rappellerai toujours. Ils ont passé là-bas, les voitures, c'était des GMC avec la Croix de Lorraine. Je dis, merde, c'est bien, j'étais content. Je vais le trouver le soir, il me dit, oui, mais il faut que tu restes ce soir, on couche ici, et demain matin, on s'en va. Alors, on a couché là-bas, les Juifs du Maroc, ils voulaient passer des chaussures en Algérie avec les camions, mais la douane, ils le savaient, ils nous ont foulé, ils ont dit, ah, là, pour un fois que tu... ils vont t'accrocher, et là, parce que j'étais habillé en anglais, hein, ils m'avaient donné des habits d'anglais. Bon, enfin... ça s'est bien passé. On était arrivé à Alger, peut-être trois jours après. Hein. En faisant attention, quand il y avait un contrôle, il fallait se cacher. Enfin. Et d'Alger, ils m'ont amené à un endroit qui s'appelle Aïs Septi, enfin, à un village qui s'appelle Agbou. À Agbou, il y avait une prison de femmes, que c'est le truffion de la deuxième DV. C'est pas la deuxième DV, c'était le corps franc d'Afrique qui le surveillait. C'est-à-dire qu'à la fois dans le boxon, ils allaient garder les femmes qui étaient en prison. Et... moi, j'ai jamais été en prison. J'ai pas voulu, on m'avait demandé d'y aller. J'ai dit non, foutez-moi la paix avec ça. Hein. Moi, ce que je voulais, c'est aller où il y avait les truffions. Parce qu'il y avait un bataillon espagnol. Il y avait Bamba, il y avait Buissa, que c'était le chef de la marine espagnole, républicaine espagnole pendant la guerre. Et qui c'est qu'il y avait encore? Granel. Enfin, il y avait 4 ou 5 Espagnols. Un, je reconnaissais Bamba. Il était avec eux, ils m'ont dit, oui, mais je ne veux pas te garder la 9e compagnie. Il va falloir que tu passes à l'11e. Et quand on va réformer les compagnies, parce que vous savez que les compagnies en temps de paix, ils ont 2 sections. En temps de guerre, ils en ont 3. Bon, il y avait 2 sections. Ils ont dit, quand on va former la 3e section, de la 9e compagnie, je te ferai revenir. C'est ça qui est arrivé un mois et demi après. Il était dans la 9e compagnie. Et c'est comme ça qu'il a rejoint la 9e. Alors, ça qui avait démarré, c'est que nous, on était, c'était le sable, hein, c'était du sable, et il y avait les troupes à l'éclair qui venaient de Tripoli, enfin de Tunis. C'était des noirs. Alors, nous, on était du côté de la route, ils ont mis les noirs de l'autre côté. Alors, on a remplacé les noirs. Et alors, le régiment de Marx et Gouchard, qui est devenu division après, il y avait des chars, il y avait de tout, des DCA, des ceci, des cela. Enfin, c'était un régiment complet, mais il y avait de tout. Et alors, évidemment, nous, on a remplacé les noirs. Ils ont donné l'excuse qu'en France, il ferait trop froid pour eux, vrai, pas vrai, ou bien l'excuse qu'ils ont eu parce qu'ils étaient des combattants autres que les Espagnols. Hein. Et ils avaient formé là. Alors là, ils nous ont présenté à Drone, le libérateur de Paris. Ils l'ont présenté là-bas. Ils l'ont présenté pour être le chef de mon avion en compagnie. Alors la seule chose qu'il a fait, d'où c'est que c'était, Barcelone. Ah, très bien, catalan. Bon, alors c'est passé andalou. Parce qu'il parlait un peu allemand, il comprenait un peu l'espagnol. Sa femme, il parlait très bien l'espagnol, par contre, à la femme à Drone. Et, bon, enfin. C'est à ce moment-là que vous
passiez de la Légion qui était sous les ordres de Vichy à le truc Leclerc qui était... Oui, parce qu'ils nous ont fait... Il y a le général de l'Armina, il est venu là-bas, et le corps franc d'Afrique, hein, l'Armina il nous a parlé, il nous a dit, bon, maintenant il y a ça. Il y a les troupes forces françaises libres et les forces... Parce qu'on parlait de Gaulle, Giroud, là-bas. On savait que Giroud, c'était le Vichy. Et par contre, de Gaulle, c'était l'autre côté. Et on a choisi, je ne dirais pas à 95%, partir avec de Gaulle. Hein? Tous. On est parti avec de Gaulle tous. Et alors là, on était dans des compagnies déjà, mais de corps francs d'Afrique. Et ces compagnies de corps francs d'Afrique, ils sont passées directement, ils sont passés aux forces françaises libres. Hein? Mais la même compagnie, la 9e compagnie de corps francs d'Afrique, il est passé 9e compagnie de Marche Duchat. Parce que là, on connaissait que le régiment de Marche Duchat. Hein? Là, il y avait l'infanterie, il y avait des chars, il n'y en avait pas beaucoup, il y avait des chars anglais, il devait y avoir 4 ou 5. Hein? Et de tout compte. Voilà. Mais est-ce qu'il y avait un choix politique pour vous dans le fait de passer... Non, écoute, nous, on a eu le choix politique qu'il y avait. On était des républicains espagnols. Dans les républicains espagnols, tu avais des anarchistes, des communistes, des socialistes, tu avais de tout. On avait fait la guerre d'Espagne. Quand il y avait quelqu'un qui tombait blessé, on ne regardait pas. Hein? Il était à droite, à gauche, au milieu, on allait le chercher, hein, et on le ramenait. Eh bien, quand on a été chez De Gaulle, ça a été exactement pareil. Hein. Je peux te dire, le sergent qui avait Gualda, c'était un socialiste. Moi, j'étais Esquerra Républicaine de Catalogne. D'accord, il sait qu'est-ce que c'est, peut-être. Peut-être pas. Maintenant, il y a les dernières élections, et ils ont monté. Bon, eh bien... C'est ça, tu vois, il n'y avait pas de dire être communiste, être socialiste, de... non, on était des espagnols, des républicains espagnols, en principe. Hein? Et après, il y avait les catalans, il y avait les andalous, il y avait tout ça qu'on voudrait. Mais vous étiez contre Hitler, contre... Ah, à 100%. Nous, on a continué la lutte d'Espagne, on l'a continué ici. Hein? On l'a continué ici. Eh bien, bah, évidemment, il y avait... qu'est-ce que tu veux que je te dise? On a eu plus ou moins de facilité, parce que quand on est rentré à Paris, les abstracts, ils avaient un drapeau républicain espagnol. Et après, ils l'ont fait enlever. À Paris, ils l'ont fait enlever. Et après, évidemment, l'armée française, il n'avait pas besoin des Espagnols déjà. Il y avait des gars qui voulaient s'engager comme ça. Il y en avait beaucoup qui voulaient s'engager. Alors, moi, j'étais blessé après, ils m'ont dit inapte. Hein? Pourquoi? Parce que moi, j'ai quitté le rang, et il y en avait 5 ou 6 qui attendaient ma place. Hein? Voir que j'étais blessé, j'étais en Angleterre, je ne savais rien de... J'étais blessé et transporté en Angleterre. On va revenir en Afrique du Nord. Mmh. Donc, vous êtes engagé vous êtes rentré dans le régiment Leclerc. Oui. Et... C'était le chat, hein, le régiment de marche du chat. Hein? Je ne connaissais pas autre chose. C'est devenu le 2e DV après, parce qu'ils l'ont agrandi, ils l'ont formé plus grande, enfin. Et ils ont rajouté des régiments qui étaient de gaullistes et des régiments qui étaient pétanistes, pour ainsi dire. Mais une fois amalgamé dans la 2e DV, ça a été pareil. On a oublié si on était de droite ou de gauche. Hein? On faisait la guerre. Et pour nous, c'était la façon de lutter contre Hitler. Hein? On continuait la guerre contre Hitler, contre Franco et contre Mussolini. C'est pareil. Hein? Alors, il y avait beaucoup, on dit, la légende raconte qu'il y avait beaucoup d'Espagnols dans le régiment, dans les premiers chars d'ailleurs, qui sont rentrés dans Paris, c'était marqué Guadalajara. Si, mais ce n'est pas des chars, c'est des chars abstracts. Hein? C'est des voitures blindées. Hein? Dans les chars, il y en avait très peu.
Parce que il y avait une chose, quand ils ont formé la deuxième de B, tout cela qui venait d'Amérique du Sud, parce qu'il y avait des Mexicains, il y avait surtout des Chiliens, d'Argentins, tout ça, ils étaient dans les chars. Bon, ils voulaient aller dans les chars. Et nous, on était une infanterie portée, c'est-à-dire cavalerie, on dit maintenant c'est la cavalerie, hein, bien blindée. Évidemment, moi je conduisais le Madrid, j'étais chauffeur. Parce que ici en France, c'était très bien, qui continuait très bien. Quand j'étais artillerie, à Ouzza, le serveur, un canon, il devait savoir tout faire. Alors j'étais chercheur, j'étais tireur, j'étais pointeur, j'étais chauffeur. On m'a appris à conduire. Pas bien, on ne savait pas conduire comme. Mais enfin, on savait sortir le tracteur avec les canons dans toute situation. Alors, quand je suis arrivé chez De Gaulle, au chat, ils ont demandé des chauffeurs. Moi, je sais conduire un peu, mais pas entièrement. Et alors, ils m'ont fait faire l'école de conduite. Mais avec les voitures, c'était des Matfor, je me rappelle, qu'ils avaient fait le dessert. Alors la direction, il partait d'un côté, il partait de l'autre. Pour le sable, ça allait, mais sur une route, ça n'allait pas. Alors j'avais attrapé, parce qu'il y avait un vieux qui m'avait dit la combine, dans la cuvette de la route, hein, de mes deux roues. Et alors ces deux roues, ils te dirigent. Et c'est comme ça que j'ai fait. Après, on a été, parce que quand on a été... On va arriver à la libération de Paris, parce que nous, c'est la libération de Paris. Donc, je voulais savoir pourquoi, comment vous êtes rentré. C'est bien, maintenant on sait que vous êtes passé de la Légion à la deuxième. C'est-à-dire, voilà. On a été en Angleterre, parce qu'on est parti avec les matériels en Angleterre, et évidemment, dans ma compagnie, c'est tous des Espagnols. Hein. Bon. Attendez, on va couper. Vous voulez un verre d'eau? Mais en Angleterre, oui. On a été en Angleterre le mois d'avril. Je me rappelle, la reine d'Angleterre, il avait dans ce temps-là qu'on était dans le bateau, 18 ans. Le jubilé d'Isabelle. Hein? Et nous, on était dans le bateau à fond plat. On n'a pas sorti les tripes parce que le bon Dieu l'a pas voulu. Hein? Et la mer était mauvaise parce qu'il y a l'équinoxe d'avril, qui est très mauvais l'équinoxe d'avril. Il y avait des vagues qui. On ne voyait pas le bateau à côté, hein? Tellement les vagues étaient hautes. Bon, on est arrivé en Angleterre, on a désembarqué à Swansea, dans le pays de Galles. Hein? On a débarqué là-bas, ils nous ont fait débarquer. Et alors ils nous ont emmenés au train, parce qu'ils voulaient qu'on passe l'Angleterre, comme on a fait après, par nos propres moyens. Et après ils ont dit non, le train ça fait trop d'histoire. Alors ils nous ont mis dans le train, et on a débarqué à Hull. Hull c'est dans le Yorkshire, hein? C'est pas l'Angleterre, hein? C'est l'Écosse, pour eux. Et alors de là ils nous ont partagé dans des petits bays. On était à Essel, on était à Pocklington. Hein? À Pocklington, il y avait tout le bataillon, le 3e bataillon. Hein? Vous étiez combien dans ce bataillon? Oh, on était au moins 600. Hein? Parce que c'était un bataillon déjà préparé pour la guerre. Hein? Alors, les compagnies, ils avaient trois sections. Hein? Il y avait la plane majeure du bataillon, la 12e compagnie, qui avait des obusiers, qui avait un peu de tout, des mortiers, il y avait de tout. Et alors, en Angleterre, ce qu'on a fait, ça a été la guerre en petit. C'est-à-dire qu'on allait dans un coin, il y avait des wagonnets qui descendaient, qui figuraient que c'était les chars allemands, on tirait dedans, les lance-flammes, les ceci, les cela. On a fait la guerre en petit. Hein? Bon, on a fait la guerre en petit, et on se préparait pour les débarquements. Alors, je me rappelle qu'on jouait au football à 2h du matin, parce que on était dans le nord, on était à l'altitude de l'Hollande, et à 2h du matin, il faisait jour. Hein?
Ça a été, il fallait s'habituer aussi. Bon, enfin, on a été là-bas. Après, l'infanterie est arrivée, parce que l'infanterie, elle était dans des bateaux, dans des gros bateaux. Ils faisaient un régiment ou deux dans les bateaux. Alors, ils sont arrivés là-bas. Et alors, là-bas, on a fait encore des exercices, hein, marcher sur la route, parce qu'on était. On s'était habitué à marcher en voiture, mais pas à pied. Alors, ça fait que on a fait ça, de nouveaux exercices, hein, militaires, marcher, des marques, de ceci, de cela, enfin. Et alors, de là, il est arrivé le débarquement. On a fait le débarquement, nous, mais on n'était pas tellement trop, parce qu'on nous a amenés à Southampton. On a passé toute l'Angleterre. Dans les villes, on marchait à 100. La police, ça qu'ils voulaient, c'est les groupements qui passaient, qu'ils passent le plus vite possible. Parce qu'il y avait un groupement qui passait, et peut-être une heure après, il y avait un autre groupement qui passait. Et comme ça, ils ont fait qu'on passait vite, vite. Bon, on est arrivé à Southampton, hein, et là, on a dormi la nuit. Le jour après, on était dans un hangar. C'est-à-dire, les voitures, ils étaient dehors, et nous, on était dans un hangar. Il y en a eu qui avaient la chance qu'il y avait mon général. Déjà, dans les bateaux, quand on est venu d'Angleterre, en France, il y avait Leclerc qui avait sa caravane. La caravane, c'était deux voitures qu'il avait, qui faisaient le bourreau. Ils étaient dans mon bateau. À moi, je le voyais tous les jours, je saluais, il m'a dit, oh, arrête, arrête de saluer. Hein? Bah, tous les jours, il fallait saluer, il fallait qu'il me réponde. Il m'a fait comprendre que ça allait, que je lui faisais avec la tête, il faisait avec la tête et ça allait. Bon, on est arrivé et nous sommes mis dans un hangar. Peut-être que Leclerc, il avait une sympathie pour les chats, parce que c'était son premier régiment, sa première. Et alors, il était là-bas, et je me rappelle, on attendait la bouffe. Je l'attendais, on avait fait l'estomac. Nous, on était jeunes. Bon, ils ont amené les Américains et ils ne nous trouvaient pas. Ils nous ont trouvé à la fin. Il y avait de la choucroute. Alors, tu sais, le système français, les officiers, le premier, il a été Leclerc là-bas, il a dit, un officier, il doit s'occuper de ses hommes avant. Il m'a mangé après. Il fait une sacrée gueule. Hein. Moi, j'étais à côté, j'ai entendu. Et il n'a pas dit fort, hein. Mais enfin, ils faisaient la gueule. Hein. Alors nous, on a mangé, et eux, ils ont mangé, parce qu'il y en avait, il en est resté. Hein. Les Américains, ils étaient larges pour la nourriture, ils étaient très larges. Mais on était sous subsistance américaine. On ne faisait pas, nous, à manger. C'était des Américains qui faisaient la tambouille. Bon, de là, ils nous ont mis dans des bateaux. Pas pareil. Ce n'étaient pas des bateaux à fond plat. C'était des bateaux où il y avait des bateaux de chips, qui s'appelaient eux. Ils montaient avec la grue, ils mettaient dans la cale. Hein, les aftracs, ils étaient dans la cale. Et la mienne, comme il n'y avait pas de place, ils l'ont mis sur le pont, une devant, une de chaque côté. C'est là que les caravanes à l'éclair étaient au milieu. Et c'est là que je le voyais tous les jours. Bon, on est arrivé en France. Et ils ont mis des globes pour éviter que l'aviation allemande vienne. On n'a pas vu l'aviation allemande, le pauvre, il n'en avait pas beaucoup. Hein. Et beaucoup de globes avec des câbles. On a été 4 jours. Et alors, il est arrivé un moment parce que la mer n'était pas bonne, hein, était piquée, était mauvaise. Alors, ils nous ont dit qu'il fallait descendre pour débarquer, quoi, avec le matériel, mais. Ils étaient tellement cons, ils m'ont fait monter tout le matériel. La mitrailleuse, ceci, le cela, tout. L'équipement complet, et descendre par le grappin qu'ils ont en corde. Hein. Mais alors, les bateaux, ils faisaient ça, les chalands, parce qu'ils nous ont mis dans des chalands. Ils partaient de 2 mètres, ils revenaient, brum, brum. Alors, il a fallu calculer que quand ils venaient, sauter. Hein.